Nathalie, likolo na se, na monite. Na anyo akopaki kolongola kombo akufali boso na ngai. Ati na pasi ngai enga loboko na litama, kanya ya osekure o. Katikati na fule ngai enani atalanga, moto nyonso akoleka kobwaka soye. Chers téléspectateurs, à ce numéro d'essentialité, bonsoir encore une fois à vous dans vos maisons, dans vos bureaux, dans les églises, partout où vous nous suivez. C'est encore une fois Judith Bondé avec Essentialité. Nous recevons pour vous le révérend pasteur Bouga pour la suite de ce que nous avions commencé l'autre fois. Bonsoir pasteur. Bonsoir Judith. Bienvenue encore une fois. Merci, merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, très la bien. Dieu nous fait grâce. Très, très bien, merci. Amen. Vous êtes encore ici sur notre plateau pour la suite de ce que nous avons commencé. Nous avions l'autre fois parlé de l'historique de la CEPAC et le temps, en tout cas, n'était pas pour nous ce jour-là. Il y avait beaucoup à dire, mais on était obligé d'arrêter vu le temps. Et c'est pour la suite, bien en forme. Tout à fait, tout à fait. Quand on parle de la CEPAC, je suis toujours prêt, je suis en forme. Ok, donc sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous allons directement attaquer notre sujet. Nous faisons la suite de l'historique de la CEPAC, pasteur. Alors, vous nous avez dit que la CEPAC a été implantée ici, au Congo, par les missionnaires suédois. Tout à fait. Alors dites-nous, pasteur, ces missionnaires-là, à part le nord et le sud, Kivu, où est-ce qu'ils sont arrivés encore? Bien, merci pour la question. Nous avions dit qu'ils sont arrivés en 1921 et ils ont plus travaillé dans le nord et le sud Kivu. C'est pour cela que le nord et le sud Kivu regorgent les gros de nos églises. Hein, ce sont des grandes provinces en termes de nombre d'églises, de nombre de membres. C'est le nord et le sud Kivu parce que et tous les gros projets, et je dirais l'essentiel des projets de nos partenaires suédois ont été focalisés dans le nord et dans le sud Kivu. Et après l'indépendance, comme nous avions dit l'autre fois, après l'indépendance, les églises, la communauté a été remise entre les mains des Congolais, avec comme révérend pasteur, comme représentant légal, le révérend pasteur Rugita, dont nous avons parlé, notre papa, dont nous gardons toujours des très bons souvenirs. Personnellement, j'ai passé des moments avec lui où il m'a donné quelques intimités par rapport au travail. Et dommage que pendant que j'étais devenu très proche de lui, il nous a quittés. Alors, depuis 21 jusqu'à 1968, la CEPAC n'était que dans le nord et le sud Kivu. C'est vers 1968 que maintenant des missionnaires congolais, des pasteurs congolais, des évangélistes congolais vont quitter le Kivu pour aller vers le Katanga, commencer l'œuvre du Seigneur dans la province du Katanga. Donc la deuxième province qui a été touchée, c'était le Katanga vers 1968. Et de là, l'évangile est parti Katanga, Kasai, Maniema oriental, oriental Maniema, et finalement ils ont viré vers l'ouest, Congo Kinshasa, Congo central, ex-Bandundu et l'Équateur. Okay. L'Équateur était notre dernier champ, qui a été touché par l'Évangile, apporté par l'ECC 8e CEPAC. Donc, mais
Et malgré cela, nous avions quand même l'accompagnement de nos frères et sœurs de la Suède, notamment dans certains projets et dans le Katanga, dans certains projets dans l'Oriental. Donc, ils ont été toujours avec nous. Nous avions, pour dire, beaucoup de temps, nous avions un consulat suédois installé à Bukavu. Donc, à Bukavu, il y avait un consulat suédois parce qu'à l'époque, comme vous le savez, nous avions beaucoup de missionnaires suédois. Beaucoup de missionnaires suédois. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, au moment où nous préparons notre centenaire, nous sommes, il n'y a pas pour l'instant un missionnaire suédois qui est en œuvre en République démocratique du Congo. Cela veut dire que nous avons grandi, mais nous avons toujours besoin de ces frères, de ces sœurs qui, grâce à leurs ancêtres, à leurs grands-parents, nous avons connu l'évangile du salut, l'évangile de Christ. Mais pasteur, il n'y a même pas un contact avec... Non, le contact, il est là, parce qu'en fait, la dernière fois, vous avez dit à nos téléspectateurs que j'étais président du conseil d'administration de BICOP. BICOP, en fait, c'est quoi BICOP? C'est notre bureau de coordination des projets. BICOP à la CEPAC est comme Caritas est chez les catholiques. Okay. Donc, les églises s'occupent de l'évangélisation, BICOP s'occupe de l'aspect humanitaire. Et tous ces aspects-là, nous sommes toujours en partenariat avec nos amis suédois au travers d'un bureau qu'on appelle PMU. Et c'est le bureau suédois qui est en contact avec l'Église. Mm-hmm. Et ce bureau qu'on appelle PMU, lui aussi, il est en contact avec le gouvernement suédois. Je rappelle que devant moi, j'ai le président de BICOP, le délégué régional Tout à fait. De la CEPAC Congo-Ouest, mm-hmm. et aussi le membre du conseil d'administration Tout de à la fait. CEPAC. Tout à fait. Alors, pasteur, l'autre fois, vous avez dit, avant, ce n'était pas la CEPAC, c'était d'abord Mission Libre Suédoise. Tout à fait, au début, oui. Au début, oui. Mm-hmm. Et de la mission de la Mission Libre Suédoise à la CEPAC. Bon, de la Mission Libre Suédoise à la CEPAC, il y a eu du temps. Hein, comme je dis, 1930, le 30 septembre 1930, les Suédois obtiennent l'arrêté du roi de Belge, hein, du gouvernement belge, hein, étant reconnu comme une mission ici au Congo, parce que nous étions dans la colonisation. Et en 1960, nous passons de Mission Libre Suédoise à CEPESA, Communauté des Églises de Pentecôte au Zaïre. Okay. Mais avant la CEPESA, il y avait une autre appellation, mais qui n'a pas pris. C'était l'AEP, l'Association des Églises de Pentecôte. Pasteur, Église, Association ? Oui, Association des Églises de Pentecôte. Parce que, comme je suis en train de vous dire, la CEPAC, nous, on n'appelle pas la CEPAC une église. Nous disons que la CEPAC, c'est l'ensemble des églises, c'est une communauté des églises. Et l'association aussi, c'était l'association des églises. En fait, l'organisation chez nous et chez nos amis suédois était un peu différente. Évidemment, nous avons pris leur appellation, mais nous n'avions pas la même organisation au départ. En Suède, chaque église a une personnalité civile ou juridique. Comme par exemple, je prends la CEPAC Bandal, a une personnalité juridique. Vous allez à Pierre Angulaire, personnalité juridique. Quand Luca, personnalité juridique. C'est pas que Keshero à Goma, personnalité juridique. Kanisa Lamungu à Goma, personnalité juridique. Sayuni Bukavu, personnalité juridique. C'est comme ça que ça se fait en Suède. Et ils appellent ça, c'est l'ensemble des églises. Alors que chez nous, ça a été un peu différent. Chez nous, la CEPAC, c'est une seule personnalité juridique pour toutes les églises qui fonctionnent. Okay, okay. Donc la CEPAC Bandal n'a pas de personnalité juridique. La personnalité juridique que nous avons, elle est celle de la CEPAC, ce qui est un peu différent de nos églises, des églises sœurs de la Suède. C'est vrai, cela a eu aussi un impact.
quand on a amené, par exemple, la notion, évidemment, je ne saurais pas trop expliquer ça ici, la notion d'autonomie des églises. Cette notion a posé beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, en Suède, c'est facile, parce que chaque église a sa personnalité juridique. Mais chez nous, il n'y a qu'une seule personnalité juridique sur les 1300 églises. Alors, apporter la notion d'autonomie des églises, ça a posé des problèmes. Ça a posé tellement de problèmes qu'à un moment donné, on ne sait pas, et chacun se trouve être un petit roi télé chez lui, alors que nous devons tous dépendre d'un seul responsable, le représentant légal, qui est en fait notre chef. Donc l'AEP n'a pas pris. Et puis finalement, on a quitté de l'AEP pour aller à CEPESA, Communauté des Églises de Pentecôte. En fait, il faut dire aussi que la notion de communauté, elle a beaucoup tenu avec la création de l'Église du Christ au Congo. Parce qu'à l'Église du Christ au Congo, toutes les églises, on les appelle communauté 2, communauté 2. Et ça a vraiment pris... une règle, non. Je pense que c'est comme ça qu'on a pu retracer les choses. C'est pour ça qu'on vous parle de CBECO, on vous parle de CSC, on vous parle de CEPAC. On vous parle, donc là, vous ne trouvez pas à l'ECC Philadelphie ou... Non, c'est KDC, mais dans KDC, vous trouvez Philadelphie. Hein? Et donc, la notion de communauté, elle a été beaucoup plus vulgarisée par l'Église du Christ au Congo. Alors, nous sommes passés à la CEPESA et de la CEPESA à la CEPAC. En fait, la CEPAC a changé aussi du fait qu'on ait changé l'appellation. On devait en principe être CEPECO. Pour changer le Z en Congo, ZA en Congo. Mais le représentant Rwigita avait beaucoup de choses dans sa tête. Lui, il était en train de rêver et de créer une association, une communauté de toutes les églises pentecôtes en Afrique centrale. En fait, dans cette Afrique centrale, pour lui, ce n'était pas seulement le Congo. C'était tous ces pays, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda. Lui, il voyait tout ça. On devait, la CEPAC, ça devait être ça. Toutes ces églises de Pentecôte, d'ailleurs, pour la plupart, et si pas pour l'essentiel, ici, toujours de l'évangélisation suédoise, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a eu une réunion à Bujumbura en 1960, la réunion qui a décidé qu'on cède les églises aux Africains. Donc, ces églises de Pentecôte, qui sont en Afrique centrale, partie du Congo, en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda, lui, il revêt ça. Mais ça n'a pas été ça, évidemment, ça n'a pas été ça. Et la CEPAC est restée une organisation purement congolaise de chez nous. Et la CEPESA, elle est passée de CEPESA, pas à CEPECO, mais à CEPAC. Et aujourd'hui, nous sommes... CEPAC. Et ça peut arriver que vous devenez représentant légal. C'est pas que je prophétise. Cette question-là. Oui, vous devenez, c'est pas une question, vous devenez représentant légal et vous décidez de changer encore le nom. Bon, d'abord, cette question de représentation légale vous hante. Je vais pas vous prendre pour une prophétesse. Bon, vous êtes journaliste. Non, on ne change pas les choses comme ça, la CEPAC. Mm-hmm. On ne change pas les choses comme ça. Le représentant légal n'a pas le pouvoir de changer les choses à sa guise. Hein, il n'a pas le pouvoir de changer les choses comme lui le pense, comme lui le veut. Il y a toute une organisation. La CEPAC est tellement, tellement organisée, bien structurée, qu'il n'y a que l'Assemblée générale, la réunion des pasteurs, des révérends pasteurs, qui peut prendre une telle décision. C'est vrai, on était... nous sommes partis des missions libres suédoises, AEP, et puis CEPESA, CEPAC. Bon, je me rappelle que la dernière, dans une de nos dernières assemblées générales, la question a été posée. Parce que, comme nous avions dit la fois passée, nous avons des missions partout. Mais les gens étaient en train de se dire, mais pourquoi nous parlons de l'Afrique centrale? Pourquoi nous ne parlons pas du monde? Nous aurions peut-être dit CEPAM, hein, ou CEPEM, Communauté des Églises de Pentecôte au monde. Hein? Bon, on pouvait trouver ça, mais les arguments dans les échanges, on a dit, bon, les gens sont déjà habitués à l'appellation CEPAC,
C'est comme quelqu'un qui est habitué à un nom. On l'appelle Judith. Tu es appelé à être appelé Judith. Et demain, on te dit, bon, les gens sont habitués. On dit, non, ça ne devait pas être Judith, ça devait être Judithy. Ah, tu dis, non, Judith, c'est déjà dans le mœurs, c'est Judith, c'est déjà dans les habitudes. Et les gens se retrouvent mieux quand ils parlent. Vous savez, chez nous, quand vous dites, mais seulement huitième, il y en a qui se retrouvent déjà. Vous n'avez même pas besoin de dire SCC ou de dire que c'est Pâques. Vous dites seulement, je suis de la huitième. Il y en a beaucoup qui se retrouvent déjà. Je crois que c'était ça, l'argumentation qui a été donnée du fait que les gens soient habitués, on risque de démotiver un peu les gens qui ne comprennent pas tous ces changements. Alors, on a gardé ces Pâques. Ok, pasteur, ces Pâques, parle-nous encore un peu de ces Pâques en termes de structure. En termes de structure ou d'organisation, merci beaucoup pour la question. Bon, la CEPAC, elle est vraiment organisée, elle est bien structurée. Et ça revient à la question que vous venez de poser tout à l'heure. Et vous allez réaliser effectivement que les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Un représentant légal s'élève un matin, il décide. Nous avons d'abord ce que nous appelons l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est un organe, c'est l'organe suprême de la communauté qui rassemble toutes les églises. Je ne dis pas les personnes d'abord, qui rassemblent toutes les églises. Actuellement, j'ai dit, nous avons 1300 églises locales. Donc, c'est supposé que pendant l'Assemblée générale, nous devons réunir 1300 églises. Et les 1300 églises sont représentées par leurs responsables, que nous appelons chez nous révérends pasteurs. Alors, ce n'est pas quand vous parlez de révérends pasteurs, vous êtes en train de parler du pasteur responsable d'une église locale. Okay. Quand vous parlez du pasteur à la CEPAC, vous parlez d'un ancien de l'église. Okay. Si vous parlez seulement du pasteur, vous parlez d'un ancien de l'église. Quand vous parlez du révérend pasteur, vous parlez du responsable. C'est pour ça, à la CEPAC, quand vous allez chercher un responsable, vous dites, je cherche le révérend pasteur. Là, on sait que vous cherchez le responsable. Mais quand vous dites, je cherche le pasteur, ça pose problème. Souvent, les gens qui ne sont pas de la CEPAC, quand ils viennent chez nous, ils ne comprennent pas cette terminologie. Elle est comme ça chez nous. Alors, ces révérends pasteurs, c'est eux qui représentent l'ensemble de ces églises qui constituent, j'ai dit que ce sont les églises qui constituent la CEPAC. Mais nous sommes habitués à un problème d'organisation en termes d'organisation des assemblées. Tu comprends? 1300 pasteurs à réunir, 1300 pasteurs à loger, 1300 pasteurs à nourrir, ce n'était pas si facile. Alors, on a décidé, au niveau de l'Assemblée générale, de modifier nos textes et nous avons sectionné les provinces en régions ecclésiastiques. Et les régions ecclésiastiques en districts. Et quand les gens viennent à l'Assemblée générale, ils viennent en représentation du district. Et chaque district a 49 églises. Pour être un district, vous devez avoir 49 églises. Mais en ce qui concerne exceptionnellement les provinces où c'est pas qu'est en extension, on n'a pas gardé ces 49 églises, on a fait une dérogation pour qu'ils aient moins, même s'ils ont moins d'églises, mais qu'ils aient quand même un représentant du district qui participe à l'Assemblée générale. Alors, à part l'Assemblée générale, nous avons le conseil d'administration. Vous comprenez, nous parlons de 1300 églises. Nous parlons d'une représentation à l'Assemblée générale d'au moins plus de 200 pasteurs qui viennent assister à l'Assemblée générale. Alors, on ne peut pas avoir un organe de contrôle qui a 200 personnes, qui a 1300 pasteurs. C'est pour ça qu'on crée un conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est un organe sous qui est l'œil de l'Assemblée générale. Comme les membres de l'Assemblée générale ne peuvent pas être tous présents, alors, on délègue le pouvoir à un certain nombre de pasteurs qui sont choisis, notamment ceux qui dirigent la représentation légale, ceux qui sont responsables des provinces ecclésiastiques et quelques pasteurs, révérends pasteurs, qui sont votés séance tenante et on y ajoute quelques techniciens tout de même. Et cela, il constitue notre conseil d'administration qui doit avoir actuellement à peu près, je crois, si ma mémoire est bonne, autour de 25 à 28 personnes qui se réunissent en conseil d'administration. Alors, à part le conseil d'administration, il y a un organe qui est à côté, que nous appelons
l'organe de contrôle. Celui-là, c'est un organe un peu rattaché à même qui est le contrôle. Et après, nous avons maintenant ce que nous appelons la représentation légale. Hein, je pense que vous comprenez là où se trouve maintenant le représentant légal. Pour qu'il change les choses, il a au-dessus de lui le conseil d'administration, il a au-dessus de lui l'assemblée générale, donc il ne peut pas décider des choses comme ça. Hein, il y a des organes pour lesquels il doit se référer, et chaque organe a ses attributions. Hein, chaque organe a ses attributions qui sont bien définies dans les statuts, dans les règlements d'ordre intérieur, et chaque organe a ses attributions. Nous avons la représentation légale actuellement qui a 3 personnes, un représentant légal, un premier vice-représentant et un deuxième vice-représentant. Seulement. Donc ils sont à trois seulement. Il y a un qui s'occupe de l'évangélisation et des vies de l'Église. Il y a un deuxième qui s'occupe des finances et de l'administration. Et ces deux-là, en fait, ce sont ces deux-là hein, qui ont la charge du travail et ils ont chapeauté par le représentant légal qui, en définitive, est le chef et qui, après le travail fait par ses adjoints, lui, il a la responsabilité d'approuver ou de valider toutes les décisions en tant que responsable de la communauté. En fait, mais au quotidien, c'est lui qui gère la communauté. Okay. Au quotidien, c'est lui. C'est lui qui doit rester en justice. C'est le représentant légal à qui l'Assemblée générale a donné tous ses pouvoirs-là. Alors, je continue l'organisation, elle est un peu longue. Il y a en dessous les délégations régionales. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Nous avons les délégations régionales et nous, on a réparti les délégations régionales en fonction des provinces telles qu'il y en avait avant. Hein? Sauf à l'ouest, Kinshasa, Congo central et Bandundu, c'est une province, c'est une délégation régionale. Ce que nous appelons Congo-Ouest, celle que je dirige. Et les autres, ils sont par province, on a une délégation régionale. Et en dessous de la délégation régionale, nous avons ce que nous appelons les districts. Et là, il y en a beaucoup. Mm-hmm. On a les districts ecclésiastiques. Kinshasa, c'est un district. Congo central, un district. Bandundu, un district en ce qui concerne l'ouest. Mais le nord, le sud Kivu a une particularité, comme je venais de dire tout à l'heure, là où il y a le gros d'église, le sud Kivu a deux, c'est la seule province qui a deux délégations régionales. Il y a deux délégations, parce qu'il y a il y a beaucoup d'églises. Vous pouvez imaginer que la ville de Bukavu, aujourd'hui, avoisine autour de 100 églises locales. Seulement la ville de Bukavu. Donc, vous ne pouvez pas passer 2, 3, 4 kilomètres sans voir ces packs. Ce n'est pas possible à Bukavu. Ce n'est pas possible. Alors, étant donné qu'on a beaucoup d'églises dans tous les coins du nord et du sud Kivu, et le sud Kivu saturé, on a dû couper ça en deux provinces ecclésiastiques. Parce qu'apparemment, la CEPAC est plus connue à l'est, précisément à Bukavu, que dans d'autres provinces. Maintenant, ici nous sommes à Kinshasa. Nous voyons si CEPAC aurait une cible à ce niveau, ça serait les Kinois. Pasteur, qu'est-ce qui fasse qu'à Kinshasa, qu'il n'ait pas cette forte visibilité de la CEPAC? Oui, c'est vrai, vous parlez en termes de visibilité, ça c'est un challenge. C'est un challenge que nous avons et que nous sommes en train de d'attaquer. Et nous pensons que petit à petit quand même les choses sont en train de changer. Vous savez, quand la CEPAC arrive à Kinshasa, elle avait la connotation d'une église de Baswahili. Et ça n'a pas été facile parce qu'en fait, les missionnaires qui sont venus ne parlaient que Swahili. Ils ne connaissaient pas le français, ils ne connaissaient pas le lingala. Ils travaillaient avec des interprètes. Et ce qui fait que les gens qui venaient, pour la plupart, les membres des membres de la CEPAC qui sont venus de l'Est et qui se sont retrouvés à Kinshasa et qui savaient que la communauté a ouvert une paroisse ici, ils sont allés là-bas. Et au départ, on a commencé à penser que c'est une église des Baswahili. Et évidemment, petit à petit, les choses ont commencé à changer, sont en train de changer. Et alors, avec l'extension de l'œuvre dans la ville, bon, cette connotation, elle est en train de disparaître un peu. Mais il faut dire aussi que ça n'a pas été facile avec la doctrine. Ça n'a pas été facile. Parce que vous savez,
ceux qui sont venus à Kinshasa sont venus de la CEPAC pure et dure. Excusez-moi d'appeler ça comme ça. Je sais que ça peut créer polémique chez nos pasteurs quand je parle de la CEPAC pure et dure. Okay. Vous savez, moi, quand j'ai grandi, mes grandes sœurs ne pouvaient pas utiliser d'autres huiles que la glycérine. Moi, mes sœurs n'ont pas connu le défrisage des cheveux. Mes sœurs n'ont pas connu les tylones. Non, ça n'a pas existé, ça. C'était pas possible. Ce n'était pas possible. À la CEPAC, ce n'était pas possible. Donc, nous, on a grandi dans une discipline dure de l'interprétation des Écritures. Ce n'est pas ce que je suis en train de voir aujourd'hui, hein, où je vois des chantres en collant. À la limite, je vais refermer ce débat. Je sais que ça fait débat. Et ça fait que les gens, ils veulent bien aller dans une église tout de suite où ils se sentent trop libérés, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et quand ils vont ailleurs, ils commencent à dire non, il y a trop de restrictions, trop de surveillance. Mais nous, on s'est dit, mais nous, on va suivre la parole. On ne suit pas les besoins des gens, nous suivons la parole. Et ça fait aussi quand même un problème au départ. Un problème au départ. Mais au fur et à mesure, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. On ne peut pas la trafiquer, on ne peut pas la négocier. Mais pasteur, s'il vous plaît, le maquillage, la parure féminine, on ne peut pas s'en passer. La Bible dit que Esther s'est maquillée, non? Merci beaucoup. Vous parlez d'Esther. Esther, ce n'est pas l'Église. Esther n'a pas fait partie de l'Église. Esther a fait partie d'Israël, elle n'a pas fait partie de l'Église. Je ne veux pas ouvrir ce débat, on en parlera dans d'autres émissions. Dans d'autres émissions, mais laisse-moi placer un mot. Allez lire dans le dictionnaire que signifie maquillage. Simplement, ceux qui ont fait le dictionnaire, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des pasteurs. Ils disent que c'est une dissimulation de la réalité. C'est une façon de cacher certaines déformations. C'est ça ce qu'on appelle maquillage. Donc ça signifie que quelqu'un qui se maquille, c'est une personne qui se présente sous une autre identité physique. Et c'est du mensonge. Quand le chrétien commence à dissimuler, ça devient dangereux. Je referme cette parenthèse. Allez lire les dictionnaires. Le dictionnaire, ce n'est pas un dictionnaire biblique. Larousse, et on vous dira, et vous comprendrez aisément et plus facilement que le maquillage a son sens. Et je termine à dire, je pose la question à toutes les femmes qui me suivent. Qui vous a dit que vous êtes moche? Qui vous a dit ça? Qui est cette personne qui vous a dit que vous êtes moche? La Bible dit, toutes les créatures, je rends grâce à Dieu parce que je suis une belle créature. Nous refermons cette parenthèse. Nous aurons des occasions. Oui, nous reviendrons sur ces sujets-là. Oui, non, ça sera un très bon sujet. Tout à fait. Je suis bien prêt pour ça. Oui, c'est pas, chers téléspectateurs, c'est pas notre sujet du jour. Comprenez que ça soit pas en tout cas long. Pasteur, nous revenons dans l'historique de la CEPAC. Dites-nous encore, que fait la CEPAC à part la mission évangélique? Oui, merci pour la question, Judith. À part la mission évangélique, qui est la mission principale, parce qu'en fait, c'est l'évangélisation. Oui. Hein? Mais l'évangélisation doit être suivie par autre chose. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle l'évangélisation holistique. Hein? Donc, une transformation holistique de l'homme. Donc, la parole de Dieu s'est fait accompagner par du social, par de l'éducation. Et dans le social, nous trouvons les centres médicaux. Okay. La CEPAC apporte des soins dans les centres médicaux. La CEPAC apporte la formation dans ces écoles. Comme je vous ai dit, nous avons beaucoup d'écoles, plus de 400 écoles primaires et secondaires. Hein, nous avons une des plus prestigieuses universités du Congo aujourd'hui. Hein, une des plus prestigieuses, s'il y en a des prestigieuses, la nôtre, l'UEA, fait partie, même déjà au niveau de l'Est de l'Afrique. C'est une université qui prend de l'ampleur et qui a de la valeur.
nous avons, du côté des femmes, nous avons développé un grand travail du côté de la femme. Nous avons toute une organisation au niveau féminin. Nous avons des foyers sociaux où nous apprenons aux femmes des métiers. Nous leur apprenons, nous faisons de l'alphabétisation. Donc, nous sommes dans tous ces créneaux qui accompagnent l'Évangile. Parce qu'en fait, dire tout simplement aux gens que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, ce n'est pas suffisant. Les gens, à un moment donné, hein, ont des problèmes. Je vais ouvrir une parenthèse. J'ai reçu une sœur qu'on a amenée, qui était intercesseuse dans une église dans la commune de Bandalungwa. Ouais. Alors, on l'a amenée chez moi, elle était enceinte. Et la maman qui me l'a amenée me dit, le Seigneur m'a convaincu que je l'amène chez vous et je pense que vous allez aider cette sœur. Et j'ai reçu la sœur, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, je suis enceinte. Et j'ai été engrossée par qui? Par mon patron. Et tellement j'aime ma mère, j'aime ma matrone, je ne peux pas en parler. Et j'ai décidé d'avorter. Vous comprenez ça? Elle parle à un pasteur. J'ai décidé d'avorter. Et je suis dans le processus d'avortement. Je devais jouer mon rôle de pasteur. Je fais mon travail de pasteur. Et j'ai convaincu à cette sœur qui est intercesseuse qu'elle est tombée, tu es tombée, tu ne vas pas tomber deux fois. Tu as péché, ne pêche pas deux fois, tu vois, ce fœtus. Alors, il s'est posé un problème. Elle garde la grossesse, mais elle n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez là où ça devient plus compliqué et là où les femmes des pasteurs doivent aussi être plus proches de leur mari. Une sœur à qui, moi, j'interdis d'avorter, pour lui dire, laisse la grossesse évoluer, je ne suis pas le père de l'enfant, je ne suis pas le tuteur de cette grossesse, mais en tant qu'église, quand nous prenons une telle décision, nous devons accompagner cette sœur. Et nous l'avons fait. C'est comme une prostituée que vous prenez, qui vient, vous lui parlez de Christ, et les deux jours qui suivent, elle ne sort pas. Elle commence à venir vous dire, pasteur, je n'ai pas mangé hier. Je n'ai pas mangé. Bon, maman, pasteur, il faut remonter ma mounéne. Hein? Donc, l'Église, au-delà de la parole que nous donnons, l'Église doit accompagner. C'est pour ça que j'ai parlé d'un évangile holistique. Parce qu'en fait, Christ, il est venu nous délivrer totalement. Il est venu nous libérer notre esprit, notre âme, notre corps de la servitude. Et ça, c'est le travail que doit faire l'Église. Et la CEPAC, elle est là. Elle est en train de travailler. Je viens de parler de l'humanitaire. Chaque fois qu'il y a des problèmes humanitaires, la CEPAC est présente. Évidemment, avec l'appui de nos partenaires suédois des PMU, la CEPAC est toujours présente. Nous avons aussi aujourd'hui le PAM. Nous travaillons avec le PAM, hein, les programmes alimentaires mondiaux. Et nous avons d'autres partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler, toujours dans le cadre humanitaire, pour dire que nous accompagnons l'Évangile. Nous ne sommes pas de ces églises qui cherchent à récupérer les biens des hommes. Nous cherchons à être utiles aux hommes. Pasteur, c'est bien d'être utile, c'est très vraiment bien. Dites-nous, toutes ces structures-là, les hôpitaux, l'université, les écoles, la main d'œuvre, ça vient de la CEPAC seulement? Le personnel, c'est seulement CEPAC? Bon, pas forcément, mais la priorité, vous avez vu la tollée avec quand le cardinal a dit que tous les enseignants doivent être catholiques à l'école primaire. Vous avez entendu ce que ça a fait. Donc, la priorité, c'est qu'on est quand même un chrétien de la CEPAC qui comprend la parole telle que nous l'enseignons, pour qu'il puisse être un bon travailleur. Mais si nous n'avons pas la compétence, on prend la compétence ailleurs. Si nous n'en avons pas, nous utilisons les compétences qui sont à notre portée. Et autrement, c'est difficile. Hein? Donc, nous donnons aussi de la main-d'œuvre. Nous donnons du travail aux gens. Okay. Nous donnons du travail. Hein? Donc, la CEPAC a aussi un personnel dans l'enseignement, au niveau de l'hôpital. L'autre fois, nous étions en train de terminer notre émission en parlant du prix Nobel de la paix. Oui. Prix Nobel de la paix, non seulement il est pasteur de la CEPAC, mais il est responsable de l'hôpital de Panzi. Oui.
Donc, c'est pour vous dire que le travail de la CEPAC dans ce pays est énorme. Et nous étions et nous devons. Parce qu'avec l'ancien temps, nous étions des partenaires privilégiés de l'État congolais. Hein? Et nous devons le demeurer. Nous devons le demeurer. Parce que ce que nous sommes en train de faire dans ce pays est énorme. C'est vrai, aujourd'hui, on s'attaque aux catholiques. On s'attaque aux protestants. Mais ceux qui s'attaquent aux catholiques et aux protestants, vous trouvez qu'il a une paroisse en Gaba qui a 300 personnes. Tout simplement. Et vous vous attaquez à des gens qui ont des millions de Congolais derrière, qui ont des écoles, qui ont des hôpitaux meilleurs que les hôpitaux de l'État, des écoles meilleures que les écoles publiques. Vous comprenez? Alors qu'on devait dire coup de chapeau aux protestants, coup de chapeau aux catholiques, pour tout le travail social que vous êtes en train de faire pour le peuple de ce pays. Pasteur, je suis de médias et j'aime beaucoup la télé, j'aime beaucoup la radio. Mm-hmm. C'est pas que nous parle des hôpitaux, des écoles, mais vous n'avez pas parlé d'une chaîne télévisée. C'est vrai. C'est vrai. La CEPAC a une radio, ouais. Pas une seulement. On a une radio à Bukavu. On a une radio à Goma. Une autre radio a été déjà installée, je crois, à Guémena. Hein? Et le rêve, et ça, je vous dis, et que Dieu nous prête vie, le rêve, c'est qu'on ait une télévision. À Guémena, vous avez dit au départ que l'Équateur était la dernière province. Tout à fait. La dernière province a déjà... Bon, vous savez... Une radio et... Vous savez, dans les choses de Dieu, parfois ceux qui viennent après, ils reçoivent des dons spirituels puissants que ceux qui sont là il y a beaucoup d'années. Donc, c'est arrivé comme ça. Il y a des missionnaires qui ont pensé qu'il y avait un besoin là-bas et on a estimé qu'on aille implanter là-bas, on est allé implanter là-bas. Bon, à Kinshasa, c'est vrai, on se pose cette question. Hein? Nous avons quand même nos amis à Radio Héritage avec l'église Père Anguilaire à Moula. Bon, c'est Nabi Samuel, mais la partie Radio Héritage ici à Kinshasa, elle est à la disposition de l'église. C'est pour ça que quand vous ouvrez Héritage, vous n'avez que les choses qui concernent la parole de Dieu, qui concernent l'église. Il y a quand même un problème dans cette ville. Vous imaginez une ville comme Kinshasa, plus de 60 chaînes. Les gens vont suivre quoi? Ça pose problème. La ville est polluée par des chaînes dont les thématiques ne sont pas bien connues. Hein, et les gens préfèrent passer leur message dans des chaînes qui existent. Hein, au lieu de créer chaîne si chaîne, nous attendons, et ça je vous le promets, nous attendons d'abord qu'il y ait de l'ordre dans les mondes médiatiques pour que nous puissions voir comment nous pouvons... C'est pas qu'on peut attendre longtemps, hein? Non, je crois que les choses sont en train de changer. Petit à petit, mais on ne sait pas. Les choses sont en train de changer avec le numérique, mais je crois qu'il y a beaucoup de challenges sur le plan du média, sur le plan de la communication. Et vous savez comment la CEPAC Bandal, nous sommes en train de nous battre et nous pensons impulser au niveau de la CEPAC ce que nous sommes en train de faire à Kinshasa. Nous voulons impulser cela jusqu'au sommet le plus haut de la communauté pour que les choses bougent du côté communication. Côté communication, il y a encore un grand déficit et que nous devons combler avec la volonté. Facilement, on peut combler ce déficit. Pasteur, il n'y a pas encore une chaîne, il n'y a pas encore... La radio CEPAC, mais la CEPAC a au moins une adresse email. L'adresse mail, oui, bien sûr. Adresse mail, ça, c'est rien. nous disons, par exemple, beaucoup d'églises sont sur YouTube, sont sur Facebook. Beaucoup d'églises. Et nous avons aujourd'hui comme partenaire télévision les studios Sangomalamu. C'est notre partenaire en termes de médias aujourd'hui au niveau de Kinshasa où nous diffusons. Et nous avons... la télévision Héritage pour nos amis et la radio. Et nous pensons que ce sont des outils que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. À Goma, il y a une radio, à Bukavu, il y a une radio. Mais je pense que nous allons impulser à ce que nous ayons une télévision
pas au niveau de Kinshasa, parce que Kinshasa est déjà saturé, que nous ayons une télévision peut-être à Lubumbashi, à Bukavu, à Goma, si pas à Kisangani, hein, à Kindu, hein, là où nous avons, là où, Kinshasa, on peut continuer encore à utiliser le média qui existe et ça passe. Vous connaissez une des grandes églises d'ici qui n'a pas une télévision, qui ne manque pas les moyens d'en avoir, mais qui utilise les médias locaux pour diffuser et ça passe bien. Bon. Disons oui, acceptons comme ça. Pasteur, déjà le temps nous presse, on n'a plus beaucoup de minutes pour aujourd'hui. Ça nous reste encore quelques questions et je vous demanderai d'être bref. D'accord. Oui, membre du conseil d'administration, président de BICOP, oui. Délégué régional Congo-Ouest, oui. Parlez-nous de la vision de la CEPAC. Vous avez oublié pasteur responsable. Pasteur responsable de l'église locale de Bandal. CEPAC Bandal. CEPAC Bandal. Très bien. Oui, parlez-nous de la vision de la CEPAC, pasteur. La vision de la CEPAC, je vais résumer ça en deux mots, mais permettez, parce que vous avez parlé de pasteur responsable de l'église locale, il y a quand même un élément que je n'ai pas soulevé. Mm-hmm. Je reviendrai sur la vision tout à l'heure. C'est que en dehors de, nous avions parlé des districts, il y a l'église locale. La CEPAC, tout est focalisé sur l'église locale. Donc, l'église locale doit être une église forte. Et chez nous, vous savez, dans d'autres communautés, on change les pasteurs, on les permute, on les change. Il y a des pasteurs, il fait 2 mois ici, on le prend, on le change. Il y a d'autres qu'on change parce que, bon, telle paroisse, ça marche maintenant bien, je vais y mettre... Et quelqu'un de confiance, et l'autre qui a fait grandir cette église, on l'amène ailleurs et tout. Chez nous, à la CEPAC, ça ne se passe pas comme ça. À la CEPAC, vous êtes pasteur de l'église locale jusqu'à votre mort. Sauf si vous commettez un péché ou une faute grave par rapport à nos textes, ou vous péchez par rapport à la parole de Dieu. À ce moment-là, on peut vous sanctionner. Mais un pasteur qui travaille honnêtement, correctement, c'est l'Église qui va l'amener jusqu'à la tombe. Pasteur. Et ça, d'un côté, c'est bon, parce que ça permet à ce que les gens se reconnaissent dans leur pasteur et que l'Église devienne vraiment une famille et que les choses aillent de l'avant. Le côté négatif de ça, c'est qu'à un moment donné, le pasteur devient un petit roi et qui commence même à vouloir narguer et la hiérarchie, ça pose problème. Pasteur, aussi, les grâces ne sont pas toujours les mêmes. Oui. Il y a des pasteurs qui, quand ils arrivent dans un terrain, vous sentez que la nature l'agrée facilement. Oui. Quand je parle de la nature, vous comprenez que même si l'église était encore jeune, directement vous sentez que les fidèles viennent. Oui. Et comme vous avez dit l'autre fois, la CEPAC prêche la vraie parole. Ouais. Quand il y a un pasteur comme ça qui arrive et que la nature l'accepte facilement, on trouve qu'il y a besoin ailleurs. Il ne peut pas partir. Non, ça dépend. Il faut que lui-même soit d'accord avec ça. Okay. Si lui-même, il peut dire que c'est un appel de Dieu. J'ai commencé une œuvre ici, le Seigneur m'appelle à aller commencer une autre œuvre ailleurs. Il y en a qui sont comme ça, qui ne restent pas stables. Mais à un moment donné, il doit se stabiliser parce que l'âge avance aussi. On prend de l'âge. Alors je reviens sur la vision. La vision de la CEPAC, c'est... La CEPAC, c'est notre vision, elle est renfermée dans une phrase. La CEPAC est une communauté, hein, des églises vivantes, unies, avec un leadership performant pour l'évangélisation dans le monde, en respectant le charisme de chaque chrétien. C'est fort, hein? Voilà notre vision. Nous travaillons dans cette vision, église vivante, église unie, leadership performant, parce que sans un leadership performant, vous ne pouvez pas aller quelque part. Vous voyez comment nos pays sont en train de patauger faute de leadership. Et c'est aussi la même chose dans les communautés. Quand le leadership il est faible, hein, tout ce que vous pouvez dire comme vision, tout ça, ça pose problème. C'est pour ça qu'on a mis leadership performant et nous sommes appelés à évangéliser partout dans le monde. Nous avons déjà des missions
comme nous avons dit la fois passée dans le monde. Et nous devons respecter le charisme de chaque chrétien. Il faut qu'on respecte le charisme de chacun. Si dans une église, tel a tel don, qu'on essaie un peu de l'aider à exercer ce don-là. Qu'on n'étouffe pas les dons. Merci beaucoup, pasteur. Merci, ma soeur. Merci. En tout cas, je sens qu'il y en a encore. Je pensais que j'allais vous vider aujourd'hui, mais bon, la CEPAC n'est pas moindre, comme j'ai dit l'autre fois. Et il y a encore à dire, il y a encore des questions. Bon, ça pourra venir prochainement. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine.